Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bon bah chez nous ça va toujours aussi bien. Hein. On attaque notre deuxième semaine de vacances et de road trip. Donc pendant cette première semaine on a fait de la route, on a déjà visité pas mal de coins. On a retrouvé les amis Eddy et Céline hein, au fil de l'or. Et donc là on attaque une nouvelle semaine, bah, on vous ramène avec nous, on va se diriger vers les Pyrénées de nouveau. Voilà les amis. Allez, on vous reprend en cours de route. Regardez-moi ce beau paysage, c'est vraiment magnifique. Les monts. Abonne-toi! Bon la compagnie, hein, je suis en train de vous monter des vidéos là. Hein. Je suis en train de rater un coucher de soleil de dingue là. Rien que pour vous. Donc ça mérite bien un putain de pouce bleu. Voilà. Et puis abonnez-vous. Hein? Faisait pas les radins les gens. Voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et regardez le coucher de soleil. Petit coin favori, la falaise de Leucate. Qu'est-ce que c'est beau. Bon les amis, vous voyez sur quoi on tombe, des endroits magnifiques. Et il y a des parents, hein, puisque c'est un Happy Meal, des parents qui emmènent leurs gamins ici, et puis qui laissent leur merde, alors qu'il y a une poubelle juste là derrière. Et on a une autre au même endroit. Donc voilà, bravo les gars. Donc à toi gros dégueulasse qui est venu avec ton gamin dans un endroit magnifique. Hein. Je vais faire ton taf de parent. Voilà, ça m'a coûté, allez, 20 pas jusqu'à la poubelle. Bon la compagnie, on vous a quitté sous un beau soleil du côté de la falaise de Leucate. On a rejoint donc les Pyrénées. Mais comme vous pouvez le constater, bah, on est comme à chaque fois qu'on va dans les Pyrénées, bah, on est dans le brouillard. Donc là on se rend au col d'Aubisque. Et du col d'Aubisque, bah, on retournera jusqu'à Andorre et on retournera dans le Gard. Donc allez les amis, c'est parti, on vous emmène avec nous, si on arrive en haut, hein, parce qu'il y a papy qui a sorti mamie, il y a des vélos, enfin c'est un peu la merde. Donc on va tenter de monter sans encombre, col du Soulan, col d'Aubisque, ce soir on va redescendre au lac d'Estaing, on va dormir là-bas. On avait déjà fait une petite nuit là-bas, c'est magnifique, on va faire un petit feu de camp, enfin bref, on va se mettre bien. Voilà les amis, allez, on vous blablate pas plus longtemps et on vous dit à tout à l'heure. Une
rendent ouf, les gens, ils me rendent ouf, ils savent pas conduire en montagne, nous on a un veau, donc faut qu'on... Faut qu'on ait de l'élan. Alors ils vont... Bah tiens, l'autre il s'est arrêté, ah bah tiens, on va accélérer comme une brute. Et une fois que t'arrives enfin à le passer... Il s'arrête. Ah bah y'a des chevaux en plein milieu de la route. Ah, ils sont mignons. Oh, regarde les têtes. Salut toi. Vous êtes un peu au milieu de la route, les enfants, hein. Salut toi. T'en fous un peu, hein. Ouais, tu t'en fous un peu. Salut toi. Ouais, ça gratouille un peu là. Moi, hein. Oh, ouais, ça gratouille un peu là. Oh oui, ça gratouille un peu là. Il est tout doux, tout doux. Ça va les gars, ça se gratte bien. Bougez pas trop les filles, hein, surtout. Bon, la compagnie est, hein, vraiment dommage, hein, parce que ça fait deux fois qu'on vient jusqu'ici et deux fois bah, c'est le même temps pourri. Après ça a son petit charme parce que je pense que sur la petite corniche là où on a croisé tous les animaux, on n'aurait pas fait les malins. Hein. Parce que si vous voyez bien... C'est vraiment super étroit. Voilà, donc bah, on voit toujours les mêmes vélos dans la même brume. Et puis voilà. Bon, et bien voilà, finalement, on a décidé de passer la nuit ici, au col d'Aubisque, parce qu'on nous a dit qu'apparemment, pour avoir le beau temps, il fallait être là le matin et que souvent ça se couvrait, ça se chargeait l'après-midi. Donc on va voir ça demain matin. On espère que le ciel sera bien dégagé pour qu'on puisse enfin voir à quoi ressemble ce paysage ici. Et Bertrand, il est encore sur son ordinateur en train de vous monter la première partie du road trip qu'on espère pouvoir charger quand on aura du réseau, parce que par contre ici on n'a pas du tout de réseau. On va tâcher de finir ce petit montage et puis après on va se faire à manger. Bonne soirée tout le monde et on vous reprend demain matin en espérant qu'il y ait un grand soleil pour qu'on puisse enfin voir à quoi tout ça ressemble. Bonne nuit. Bon, la compagnie, on vous a quitté dans le brouillard. Et ben ce matin, un réveil. Oh la tuerie, quoi. Thank you.
un réel bonheur ce matin, c'est magnifique. La mer de brouillard. Et on voit enfin les sommets qui nous entourent, quoi. Ah, c'est génial. On a hésité à descendre au lac d'Estaing, mais au final, ben là on est au soleil. Et là en bas, on aurait été vraiment dans le brouillard. Première fois qu'on voit ce col. Parce qu'on y est déjà venu, comme on vous l'a dit. Mais tout le temps dans le brouillard. Et franchement, ça valait le coup parce qu'on a passé une nuit de fou. Au calme. Il a pas fait froid, il a juste fait bon. Et pour avoir ça au réveil, franchement, waouh. Avec les vaches qui sont là. Il y a des endroits comme ça où on n'a pas envie de partir, on a envie de rester, de profiter. Mais on a encore du chemin. Donc on va continuer notre route. Les Pyrénées, des animaux sauvages de partout, des chèvres, des vaches, des moutons, des chevaux. C'est superbe. Bon les filles, est-ce qu'on peut passer s'il vous plaît? C'est pas qu'on n'aime pas le coin, mais... Le cirque de Gavarnie, mais gendarmerie, police municipale, ouvriers municipaux, 8 euros pour stationner. Donc ben Gavarnie, hein, désolé, mais on viendra pas chez vous, tant pis. Bon, la compagnie, hein, au final, hein, on s'est arrêté grâce à Marie. Et Marie a été très gentille, elle nous a trouvé une petite place. Ça faut pas le dire. Donc du coup, bah, j'en ai profité. Bon, en même temps, on se fait juste un petit tour avec les boutiques. Hein. En fait, c'est parce que le col du Tourmalet, il est bloqué par les cyclistes de 9h à midi. Donc l'idée, c'était d'attendre midi pour pouvoir monter le col du Tourmalet sans être arrêté au pied. Quoi. Bon les amis, petite pause casse-croûte, hein. J'ai pas résisté. Alors c'est pas les sandwichs du boulot, hein. Là, il y a de la charcuterie dedans. Hein. Un bon saucisson sec. Devant le cirque de Gavarnie. Vous voulez continuer?
Bon, eh bien, on voulait vous emmener voir le barrage des Gloriettes à côté de Gavarnie. Ça avait l'air assez sympa. Mais évidemment, il y a des panneaux interdiction de stationner tout au bord de la route, enfin tout au long de la route. D'ailleurs, je vais vous en montrer un bout. Voilà, interdiction de stationner et de s'arrêter. Mais ben en fait, les gens prennent les petits espaces pour se croiser, ben pour se stationner. Donc du coup, on ne peut plus se croiser. Donc ça fait une heure qu'on est coincé sur ce putain de parking de merde à cause de trois connards qui respectent rien. Et voilà, comme d'hab, trois connards, ça fout la merde. Donc et là, il y a la suite qui arrive, là, voilà. Mais les gens, ça leur sert pas de leçon, hein, parce que ceux que j'ai aidés à faire demi-tour parce qu'ils étaient coincés aussi, eh ben, ils ont vu un espace un peu libre sur le côté, bah, ils s'y sont mis, quoi. Donc voilà, ça sert pas de leçon. Pourtant, c'est bien marqué. Ça fait chier parce que du coup, on n'a rien vu, on est parti. On a paumé une heure. On a paumé une heure et on est parti, on n'a rien vu, on a juste fait demi-tour et heureusement, on a réussi à faire demi-tour. Enfin bon, bref, un gros bordel. Allez, petite cigarette pour se calmer un peu, se détendre après cette situation sujette à... Il y a des gens, c'est la première fois qu'ils vont en montagne en van, les gars, ils sont perdus, ils sont au milieu de la route. Hein ? Voilà. On va aller se faire le pic du midi, hein, col du Tourmalet. Au final, c'est dommage parce qu'on n'aura pas vu ce petit barrage de la Gloriette. Des ça Gloriettes. Reviendra, c'est un prétexte pour revenir. Mais il faudrait revenir, mais il faut bien calculer par contre l'heure d'arrivée et l'heure de départ. Hein, parce que franchement, là-haut, c'est vraiment la merde. Allez, on essaye de filer au Tourmalet et on vous emmène avec nous au Tourmalet. Bon bah après les vaches, les chevaux, les chèvres, les moutons, les marmottes, bon ça c'était un peu loin, on a Bernard Lama, il y a des lamas partout. Ils ont l'air tout tristes. Ah, il y a un petit avec. Bon, la compagnie, fin de ce petit vlog. Hein, donc, on sera parti du Gard pour aller jusque dans les Pyrénées. On aura poussé jusqu'au col d'Aubisque. Aujourd'hui, on aura visité Gavarnie. Le Tourmalet, on aura vu le pic du midi, enfin c'est un super coin, on reviendra c'est sûr. Donc du coup là on s'est rapproché de nouveau d'Andorre, on va retourner dans le Gard. Donc demain on repasse par pas de la case, on va refaire le plein de choses. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Vraiment ça fait plaisir, on se donne du mal quand même. On prend du bon temps mais on se donne du mal, il y a énormément de montage. Donc voilà, je vais pas mendier les pouces bleus. Si vous êtes tombé par hasard sur ma chaîne et que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez un petit commentaire, un pouce bleu. Ça fait plaisir, c'est la récompense. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo, les amis, dans le Gard pour de l'orpaillage. Allez, ciao, ciao. Il fait chaud, hein, mon doudou. Hein, il fait chaud. Abonne-toi !